Salut tout le monde, c'est Baptiste. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu 2048 que j'ai programmé sur calculatrice en Axe-Parseur qui sera compatible uniquement avec les TI-83+ et TI-84+. Donc pour le lancer, vous allez appuyer sur seconde, 0 pour aller dans le catalogue. Ensuite, on va sélectionner la commande ASM et on va appuyer sur programme pour ensuite aller sélectionner The 2048. Et on arrive directement dans une nouvelle partie. Donc en fait, le but du jeu est vraiment très simple. On va appuyer sur une des quatre flèches pour déplacer tous ces nombres vers une direction souhaitée, de telle sorte à faire fusionner deux nombres entre eux. Donc en fait, quand on va faire fusionner deux nombres entre eux, la somme de ces deux nombres va donner un nouveau nombre. Donc par exemple, je peux fusionner les deux 4 en appuyant sur la flèche de gauche ou de droite, et ça va donner un 8. Et ce nombre en question va s'additionner au score. Donc on va essayer de fusionner d'autres nombres. Allez, c'est parti, on va fusionner les deux 4 qui sont ici, en appuyant sur la flèche de droite, ce qui donne un 8. Et ça s'ajoute au score. On va fusionner les deux 8 en appuyant sur la flèche du haut ou du bas, ce qui donne un 16, ce qui s'ajoute au score, etc. Et à chaque fois qu'on va faire un mouvement, en fait, un nouveau nombre va apparaître sur l'écran. Et bien sûr, au bout d'un certain moment, on se retrouvera bloqué parce qu'on n'aura plus de nombres à fusionner entre eux. Et à ce moment en question, ça sera bien sûr la fin de la partie. Alors là, je pense que c'est bientôt la fin de la partie, on va essayer de perdre cette partie. Voilà, la partie est terminée, regardez, j'ai fait 964. En appuyant sur annule, je peux quitter le jeu, ou en appuyant sur entrée, je recommence. Donc là, le meilleur score, c'est actualisé en quelque sorte. Et bien sûr, à tout moment, je peux appuyer sur annule pour quitter le jeu. Et bien sûr, le meilleur score sera pris en compte. Et aussi, si vous venez de quitter le jeu, vous pouvez réappuyer directement sur entrée pour relancer directement le jeu. Donc regardez, je quitte le jeu, j'appuie sur entrée et ça relance. Et aussi, si par hasard vous voulez supprimer le meilleur score, vous allez appuyer sur seconde, entrée et annule, les trois touches en même temps. Donc appuyez sur annule plutôt en dernier. Le jeu se quitte et le meilleur score devrait revenir à 0. Voilà. Le programme sera bien sûr disponible dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao !